Alors, dans la précédente vidéo, on s'était intéressé au cycle de vie opérationnel idéal. On avait vu le mindset, hein, d'un attaquant pour mener une APT. On avait réfléchi aux problématiques qui pouvaient se poser au niveau de l'obsèque et de la phase de recueil d'informations, de reconnaissance, pousser un état-nation. Alors, on avait vu la première étape, le ciblage, le targeting. On avait vu que on pouvait passer par diverses techniques et que le but, c'était d'interagir le moins possible avant de passer à l'opération. On avait vu que certains cybercriminels sont très bons. Même les grosses entreprises, malheureusement, sont sujettes à des cyberattaques. D'accord? Alors, on avait vu l'accès initial, hein, comment ça pouvait fonctionner. Le nombre de failles, hein, de haute gravité qui étaient assez stables, mais quand même en continuelle évolution, et des vulnérabilités totales qui, elles, explosent depuis une douzaine d'années. Donc, c'est un travail de longue haleine, comme je vous le disais, et on va passer à la partie 3, qu'on appelle la persistance. Alors, qu'est-ce que la persistance? La persistance, c'est l'art de transformer l'accès initial en accès récurrent, c'est la base qui rend possible le maintien d'une opération cyber. On parle généralement de post-exploitation et qui dit post-exploitation dit porte dérobée. En effet, quand vous allez avoir votre gain d'accès initial, la première action défensive, ça va être hein, d'essayer de en vous empêcher de garder la main sur le système. Donc l'attaquant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de consolider cet accès, sécuriser ses futurs accès au sein du système d'information. D'accord? Les vulnérabilités, elles peuvent être exploitables, mais sur le long terme, mais elles ne sont pas fiables. D'accord? La durée de votre gain d'accès initial est inconnue. Hein? En effet, après, on peut détecter votre présence, on peut redémarrer la machine, donc il faut ajouter ce qu'on appelle de la persistance. D'accord? Et une menace persistante avancée, techniquement, c'est des années, des semaines, des mois au sein d'un système. Donc, il faut installer cette persistance. Et parfois, certaines failles ne fonctionnent pas ou seront instables. Donc, il faudra stabiliser et ouvrir des portes dérobées qui garantiront un accès ultérieur au sein du système sans aucun problème. Sinon, vous allez vous tirer une balle dans le pied. Donc, selon le type de vulnérabilité et la compétence de l'attaquant, on a des taux de réussite qui peuvent varier, naturellement. Et se contenter d'une seule vulnérabilité pour accéder, quand bien même vous avez une RCE que vous pouvez pousser, rien ne vous garantit, je vous le disais, que demain, la faille ne sera pas patchée. Du coup, ça vous empêche de revenir au sein du système. C'est pour ça qu'on va installer une porte dérobée. Une porte dérobée, c'est ni plus ni moins qu'une forme de persistance au sein d'un système pour maintenir l'accès dans une utilisation normale. La machine peut redémarrer, on va récupérer et établir à nouveau notre canal de command and control de façon fiable. La persistance, en fait, elle peut prendre plusieurs formes. Ça peut être un ajout au sein de votre navigateur web, une porte dérobée dans votre navigateur web, ça peut être une porte dérobée via une entrée, via les clés d'exécution au sein de Windows. On va parler du registre, ça peut être une tâche planifiée, pareil sous Linux. Même s'il n'y a pas ce principe de registre, c'est un peu différent, mais on va essayer de modifier le processus de démarrage de l'ordinateur, ni plus ni moins. Si on doit parler un peu de l'outil Microsoft OpenTorrent, que je vous conseille fortement d'installer sur votre ordinateur pour vérifier les 15 méthodes différentes de persistance qui sont connues sous Windows et approuvées par Windows. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas plus que 15. Ça veut dire que celles qu'on connaît dans le grand public, qui sont utilisées par des acteurs allant du script kiddie à des cybercriminels, je ne parle pas des cybercriminels qui sont hautement techniques, technologiques, et les hackers étatiques, hein, qui bien sûr ne vont pas utiliser ces 15 méthodes. Il y en a beaucoup plus. D'accord? Dans le monde militaire, il y en a plein d'autres. Il y en a des centaines. En fait, tout ce qui permet de stocker quelques bits d'exécution, de code, de shell code, vont pouvoir être injectés. Ça passe par votre matériel. On parle alors de portes matérielles, dérobées, hein, ou des portes logicielles. D'accord? Et ça peut être en haut niveau d'abstraction ou de préférence en bas niveau d'abstraction. On va essayer de communiquer directement avec le kernel
Et la pire des failles, bah, c'est un kernel exploit en mode backdoor, où ça va être un bootkit, un rootkit qui va directement s'attaquer, hein, à l'UEFI qui initialise votre ordinateur. Et dans ce cas-là, on a une réelle persistance qui peut être furtive ou non. Je vous donne toujours l'exemple, si j'arrive à injecter un BIOS qui va infecter votre ordinateur, bootkit, rootkit, et qui se lance avant les systèmes de protection de votre ordinateur, les systèmes de protection ne pourront rien faire. Non seulement ils ne verront pas la menace, soit, eh ben, ils seront incapables de la traiter, hein, de soigner, entre guillemets, votre ordinateur et de retirer la menace. D'accord? Donc c'est extrêmement grave. Et on a d'autres vecteurs d'attaque, je vous le disais. On peut se servir de vos cartes graphiques qui ont beaucoup de VRAM. La VRAM, c'est la RAM vidéo, la mémoire vidéo. Vous savez que sur vos cartes graphiques, vous avez 2, 4, 8, 10, 12 gigas, 24 gigas, 48 gigas pour les cartes pro. Et vous imaginez pas tout l'espace qu'on peut profiter. Et si on arrive à injecter, et il y a des techniques, des vecteurs d'attaque qui permettent d'injecter du code dans vos cartes graphiques, à partir du moment où le driver initialise votre carte graphique, tout simplement pour afficher bah, le bureau en 2D de votre Windows, vous avez compris, la porte dérobée s'active. Donc, bien sûr, vos processeurs sont bourrés de failles matérielles. Bien sûr, vos cartes graphiques également le sont pour un État-nation, pour une armée, pour une agence de renseignement. Mais je pourrais pas vous en parler, sinon je serais obligé de vous tuer. Plus sérieusement, il faut penser à tout ça. Hein, certaines méthodes vont nécessiter qu'un utilisateur se connecte pour devenir actif. D'autres ont besoin que l'ordinateur s'allume et d'autres parfois sont très très bas niveau. Hein. Par exemple, si on prend le contrôle du Management Engine, du VPro, des puces hein, qui ont leur propre pile TCP, leur propre noyau et qui sont indépendantes du reste des composants de votre noyau et du userland, hein, le kernel userland. Je vous ai expliqué, on parle de trois grands ring, des cercles, hein, des anneaux. On a l'anneau le plus bas, c'est le 0. Et ensuite, on a l'anneau 1, 2 et 3. Hein, l'anneau 3, c'est le userland, c'est ce que vous utilisez au quotidien, Mac, Linux, OS, c'est vos shells, c'est votre interface graphique utilisateur. Et après, on a vos drivers hein, qui permettent de faire fonctionner vos composants, qui fonctionnent soit en ring 1, soit en ring 2. D'accord? Et donc, le but, ça va être d'injecter dans d'autres rings hein, que parfois les gens ne connaissent pas. Eh ben, c'est techniquement le ring après le 0. Il y a un ring moins 1, il y a un ring moins 2, il y a un ring moins 3. Je vais y arriver. Et bah, c'est là que les agences de renseignement seront, hein, puisque je vous ai dit, c'est une sorte de poupée russe et la poupée russe, elle est imbriquée dans une autre poupée russe qui est imbriquée dans une autre poupée russe qui est imbriquée dans une autre poupée russe. Ton système d'exploitation, ton antivirus, tu l'installes à partir du userland, quand bien même il pourrait faire des appels via des hooks en bas niveau au ring 0. Il ne verra jamais, au grand jamais, ce qui se passe dans le ring moins 1, ring moins 2, ring moins 3. D'accord? Attaque de cybercriminel, de Toto le hacker, ça se passera sur ton ring 0, ring 1, ring 2, ring 3. D'accord? Agence de renseignement, renseignement militaire, 0D, ça se passera où? Ça se passera en très très bas niveau. Moins 1, moins 2, moins 3. Donc tu as bien compris que il y a six niveaux qui s'opposent. On a le moins 3, moins 2, moins 1 qui s'opposent au 0, 1, 2 et 3. D'accord? Donc ça fait 7 si on compte le 0. Excusez-moi, je sais plus compter. Donc voilà, hein, tout va dépendre de la technique, tout va dépendre du modèle de menace, tout va dépendre de qui vous attaque. D'accord? Et si je vous parlais du très très bas niveau, du moins 3, moins 2, moins 1, eh ben c'est un système d'exploitation qui contrôle à distance votre téléphone, qui contrôle à distance votre ordinateur, qui contrôle à distance votre tablette. Vous ne pouvez pas savoir ce qui s'y passe, vous ne savez pas si on fait du renseignement sur vous,
Vous ne pouvez pas désinstaller, vous ne pouvez pas désactiver, ça vous espionne à l'insu de votre plein gré et votre antivirus sera totalement inefficace. Donc là, on parle de menaces persistantes, résidentes, ok, et furtives, puisque elle est indétectable, à moins de travailler vraiment en très bas niveau et de commencer à analyser vos firmwares que vous avez dans tous vos composants. Mais on n'a pas le temps et c'est beaucoup trop compliqué. Et c'est des tests en black box, donc ça veut dire qu'il faut faire de la rétro-ingénierie et on n'a pas le code source, donc ça veut dire que même le meilleur des ingénieurs, au bout d'un moment, il y a tellement de milliards de lignes de code qu'on ne peut plus. On peut plus auditer les navigateurs web, on peut plus, vous allez auditer quoi? Toutes les puces que vous avez dans vos souris, dans vos claviers, dans vos cartes réseau, tous les contrôleurs de vos disques durs, de vos SSD, tout ça, ça sera des endroits de choix, comme tous les composants de votre carte mère, de votre processeur, de votre carte graphique, ce seront des composants de choix comme votre écran, ok? Toutes les périphériques que vous allez brancher, vos routeurs, tout ça seront des composants de choix. Et ça fait une vaste surface d'attaque pour venir vous attaquer et faire des APT, ni plus ni moins. Donc on a les produits de sécurité personnelle, entre guillemets, hein, ce qu'on appelle les antivirus focalisés endpoints, qui auront plus ou moins de succès et qui vont empêcher naturellement l'établissement de la persistance sur les ordinateurs de bureau. Hein. Il ne faut pas se dire, ah bah c'est tellement violent qu'en fait, ça sert à rien que j'installe un antivirus. C'est complètement stupide de penser comme ça. Encore une fois, je vous ai dit, on fonctionne par strat et la plupart des gens, Madame Michul, en a strictement rien à foutre des agences de renseignement. D'accord? La plupart des gens, de toute façon, ont accepté de ne plus vivre en liberté et d'être, à l'insu de leur plein gré, espionnés 24 sur 24 par les agences de renseignement. Hein, c'est le fameux « mais moi, de toute façon, j'ai rien à cacher ». Si c'est pour arrêter les terroristes, tant mieux. Hein. Mais c'est comme les caméras de surveillance. Hein. On a vu toutes les caméras de surveillance qui ont pris leurs petites jambes comme ça, leurs petites pattes, et elles sont allées arrêter des voleurs, des tueurs, etc., etc. Hein. Vous savez, la relative efficacité ou la totale inefficacité, que ça soit pour prévenir du terrorisme, des cyberattaques, ou pour vous protéger dans la rue. Si vous croyez que parce que vous êtes filmé, vous êtes protégé dans la rue, vous vivez dans un monde de bisounours. Ok? Mais c'est pas à moi de vous ouvrir les yeux. Chacun pense comme il veut. Donc voilà. Hein, il faut quand même se protéger et vivre avec son temps. Qu'est-ce que vous voulez? Donc, installer des antivirus qui vont eux-mêmes installer quoi? Un pilote en bas niveau, un programme privilégié qui va interagir avec le système d'exploitation sous-jacent. Hein. Et je vous ai dit, bah oui, c'est votre antivirus qui vous protégera et qui en même temps peut vous espionner à l'insu de votre plein gré sans que vous le sachiez. Hein. Et typiquement, les agences de renseignement auront des accès. Hein. Je vous rappellerai toute la campagne sur Kaspersky suite au conflit ukrainien. Où tous les Occidentaux ont dit, oula, on arrête d'utiliser du Kaspersky, on pourrait s'en servir pour nous espionner. Okay? Mais ne croyez pas qu'il y a que les Russes qui font ça. Et encore une fois, ça reste à prouver, hein, puisque malgré tout ce qu'on a pu lire dans la presse spécialisée, on n'a pas encore trouvé de porte dérobée. Hein? Mais si c'est très bien fait, c'est fait par un service de renseignement, et comme, encore une fois, les pilotes de ton antivirus ont accès au très bas niveau, eh ben, ça peut être voilà, extrêmement sensible. Et si ces pilotes injectent, comme je te le disais, dans le moins 1, moins 2, moins 3, eh ben là, c'est fini. Hein, t'as, typiquement, je te dis, Intel SGX, la fameuse enclave, ou le TPM, qui permet de gérer de la cryptographie via des puces dédiées, spécialisées, si on arrive à injecter là-dedans, et il y a plein de preuves que c'est possible de le faire. Encore une fois, c'est pas Toto le hacker qui va le faire, c'est quelqu'un d'extrêmement confirmé. Mais encore une fois, vous voyez que c'est ce problème de sécurité. Les agences de renseignement ouvrent des portes dérobées volontairement dans les systèmes informatiques jusqu'au jour où bah, cette connaissance, ces vecteurs d'attaque sont utilisés par des cybercriminels. Et là, on est en train d'affaiblir tout simplement le principe de cybersécurité. Alors encore une fois, même si vous travaillez en cybersécurité, ayez toujours un regard critique. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Hein? Moi, j'ai vu qu'on espionnait tout le monde depuis le 11 septembre 2001. On est en 2022. J'ai vu les séries d'attentats sur notre sol, sur les pays européens, partout dans le monde.
Est-ce que ça a vraiment permis d'arrêter le terrorisme? Je suis pas sûr. Hein, je vous laisse juger. Mais on a dit qu'on fera pas de politique. Donc continuons. Donc le but, tout ça, bah encore une fois, ça a poussé tous les attaquants, peu importe leur profil, leur motivation, dans une course à l'armement. Et une course à l'armement encore plus effrayante que pendant la guerre froide, les armes nucléaires. Donc le but, c'est toujours de redoubler d'efforts, de trouver de nouveaux moyens de persistance qui ne soient pas contrôlés par les produits antivirus ou les systèmes d'exploitation. Hein, s'attaquer directement aux méthodes de prévention. Hein, on va faire des bypass, on va désactiver l'antivirus ou l'empêcher, en tout cas, d'effacer notre porte dérobée, hein, ou même de nous détecter. Hein, donc, encore une fois, il y a plusieurs techniques et pensez que cette persistance, elle n'est pas uniquement logicielle au niveau de votre système d'exploitation, de la couche applicative, elle peut être aussi en très bas niveau, elle peut être aussi et persister. La persistance s'effectue sur des routeurs, sur des serveurs, sur tout ce qui est ordinateur qui n'exécute pas ou qui exécute des produits de sécurité personnels. Hein, encore une fois, ça compliquera la tâche, mais quelqu'un de très professionnel sera à même de contourner tous les systèmes de protection, hein, qui existent sur le marché. C'est qu'une question de connaissances et de moyens, hein, et de recherche et développement. Je vous disais, il vous faut, c'est pas Toto le hacker dans sa cave, hein, qui pourra faire ça. Il faudra plusieurs personnes avec plusieurs compétences différentes et des millions de dollars parce que, bah, crafter un exploit militaire, ça coûte des millions, hein, ça prend du temps, c'est fait dans des laboratoires militaires, hein, c'est pas Dédé dans sa cave, hein, même si Dédé, parfois dans sa cave, il peut faire de très très bons trucs. D'accord? Mais vous voyez que toutes les APT d'ampleur derrière, c'est des hackers étatiques. D'accord? Et même s'ils ne travaillent pas pour les services de renseignement, on passe commande, on leur passe un petit coup de fil, et c'est parfait pour les agences de renseignement, pour le renseignement militaire, puisqu'encore une fois, on part dans une guerre hybride de procuration et qui va permettre le déni plausible. Ah, mais regardez, non, non, c'est des hackers. Bien sûr que non, ils ne travaillent pas pour les renseignements. Hein? C'est juste des hackers comme ça qui s'amusent. Voilà. Mais maintenant, je vous ai expliqué un petit peu toute cette philosophie. Passons à l'expansion, la quatrième étape. Hein, je vous ai dit, c'est comme un échiquier. On avance petit à petit nos pièces. Hein, ça consiste à augmenter l'accès à un réseau cible. On va établir un niveau de persistance plus robuste pour localiser et accéder aux données recherchées. Stuxnet, je vous en ai parlé, elle s'est attaquée au contrôleur de centrifugeuse. Mais l'accès initial a probablement commencé sur un ordinateur AirGap et c'est étendu à l'ensemble du réseau. D'accord? Donc ça va dépendre des cas, mais généralement l'expansion est une nécessité. Hein, les entreprises utilisent des architectures de réseau à plusieurs niveaux. Vous l'avez sous les yeux. D'accord? Donc on a des réseaux très sécurisés, d'autres un peu moins, et d'autres qui sont carrément exposés. Typiquement une DMZ, c'est ça qu'on va venir attaquer. D'accord? Et après on voit la compartimentation, la segmentation du réseau pour justement sécuriser un tant soit peu et empêcher des effets de bord. Mais comme tout, on peut, comment dire, contourner les VLAN. Hein. Il y a des techniques au niveau du trunk, au niveau du réseau. Si vous faites vos certifications CCNA, vous verrez que parfois, si ben on a des switches, on a des routeurs qui sont mal configurés, on va pouvoir faire des attaques sur différents VLAN, hein, et rebondir d'un VLAN à un autre. D'accord? Je rentrerai pas dans les détails, mais typiquement ce que vous avez sous les yeux, on va essayer de compartimenter le réseau des ressources humaines, le réseau des utilisateurs, les serveurs de production, les serveurs de dev, par opposition au serveur interne ou au réseau de l'administrateur, et le site web, site marchand, email, tous ces serveurs sont directement en front-end, donc interfacés avec Internet. D'accord? Donc typiquement, c'est tout ce que vous avez en DMZ et c'est là-dessus qu'il faudra, comment dire, accroître, hein, son niveau d'analyse et de surveillance proactive, puisque c'est typiquement toute l'infrastructure en DMZ dans la zone non militarisée, comme on l'appelle, que une cyberattaque peut se produire. Donc l'attaquant va se développer, hein, pour permettre cette persistance. L'accès initial commence généralement dans la DMZ ou sur un réseau de l'utilisateur.
Hein. Les segments sont lo de loin les plus vulnérables au monde. C'est ceux qui font du front-end, qui sont sur la DMZ. Et c'est pour ça qu'ils doivent être surveillés, comme je vous le dis, parce que un attaquant ne voudra pas avoir un accès à un point de défaillance unique. On multiplie les points de défaillance. C'est ça qui permet la persistance. Maintenir l'accès au fur et à mesure que le réseau cible se met à jour, s'étend, se met à niveau, se développe. Et ça, c'est pas une mince tâche pour les rouges. De plus, le point d'accès initial contiendra rarement les communications, les bases de données ou toutes les cartes de crédit, des dessins de conception ou des fiches de paie, hein, que l'attaquant souhaite récupérer si on se met à la place d'une partie d'un acteur malveillant, d'une partie malicieuse. L'attaquant doit se développer, hein, développer ses techniques, développer aussi son emprise sur le système. Ces informations sont situées ailleurs, réparties entre différents utilisateurs, serveurs de production, serveurs de fichiers internes, serveurs de dev, serveurs de sandbox, ok, serveurs de recettes, etc., etc. On a des silos où on va avoir le stockage, des base serveurs, des bases de données. On a plein de choses, hein. Il faut rebondir, évoluer au sein du système. Donc l'expansion prend beaucoup de temps. C'est une phase très compliquée, très chronophage. Et c'est là où vous risquez de vous faire péter, détecter par la partie adverse. Donc il faut enquêter, collecter, analyser les informations pour identifier la prochaine étape de l'opération. Et ça peut prendre des mois, voire des années. C'est pour ça qu'on parle de menace persistante avancée. Hein? Pour qu'un attaquant passe de son point d'accès initial au bijou de famille, au joyau de la couronne virtuelle, j'ai envie de dire, ça peut prendre des années. Hein. Et même en termes de détection, vous savez que la plupart des APT militaires, eh ben, on va les détecter après des années. Hein. Donc c'est l'étape de la plus grande sensibilité en termes de situational awareness. Je dois comprendre ce que je fais, ce qui m'entoure. Hein. Le but, c'est de subvertir la sécurité interne. Un attaquant, il va accéder au réseau de l'administrateur pour relier la connectivité entre les parties de l'entreprise ou sécuriser les informations d'identification privilégiées. Il peut y avoir un serveur interne qui va envoyer des données à la DMZ. On va pouvoir les récupérer, hein? Mais ce ne sont pas des actions normales au niveau du réseau. Donc, il y a des anomalies potentielles. L'expansion est un domaine qui manque de technologie défensive. Bien que les produits examinent les actions d'un ordinateur spécifique, à ce jour, peu d'entre eux, voire aucun, peuvent corréler les actions anormales sur un réseau et présenter quelque chose qui permettrait d'endiguer ça. Hein. C'est pour ça que, alors encore une fois, les documents sur lesquels je me base ont une dizaine d'années, mais là maintenant, les derniers XDR utilisent du machine learning et on va pouvoir, dans ces immenses bases de données, grâce au SIEM, SIEM, avoir quand même, via le machine learning, des traces de compromission, hein, des actes malveillants. Je vous dis toujours, vous allez recevoir un mail et on va vous dire, le DG s'est connecté à minuit un jeudi soir alors qu'il était en déplacement au Brésil et on a changé son mot de passe et il a essayé de faire de la reconnaissance sur un contrôleur de domaine. D'accord? Là, vous avez tous les indicateurs que on a réussi à compromettre le mot de passe du DG. Hein, peut-être on a piraté son point de d'accès VPN et on est en train de faire de rebondir hein, au sein du réseau. D'accord? Mais encore une fois, c'est pas donné à tout le monde, c'est des technologies qui coûtent extrêmement cher et encore une fois, je vous dis toujours hein, l'information, que ça soit en OSINT, quand on fait du renseignement, c'est bien d'avoir des téraoctets d'informations, mais si tu n'as pas derrière les algorithmes pardon, pour raffiner l'information, récupérer toutes les informations qui sont nécessaires pour avoir une vision objective de ton réseau et comment évoluent tes systèmes de défense, eh ben, tu seras complètement aveugle. D'accord? Et c'est justement là, hein? Le but de la partie attaquante, c'est d'être dans tes angles morts. D'accord? Tu as une vision à 90 degrés devant toi. T'as ta vision périphérique, mais si je suis derrière ta tête, personne n'a les yeux derrière la tête. Tu vois? Tant que je suis derrière toi, tu pourras pas prendre conscience que je suis derrière toi en train de faire des choses un peu sales. D'accord?
Si je passe dans ta vision périphérique, tu vas te dire, ah ouais, je vois des ondes, des couleurs, je vois des formes bouger. Mais c'est ma vision périphérique, c'est pas encore très net, jusqu'à que j'arrive devant toi. Et là, tu auras des indicateurs de compromission, tu auras des vecteurs d'escalade qui vont remonter et tu te diras, ah ouais, merde, il y avait bien quelqu'un, on s'est bien fait baiser. D'accord? Donc tout ça, c'est un gros travail tant pour les parties attaquantes, puisqu'on se focalise sur ce sujet, que pour les parties défensif, les bootchimming, d'accord? Donc il y aura toujours des anomalies. Vous allez toujours laisser, je vous disais, votre trace en termes de crime analytique, vos patterns, vos anomalies. Et c'est comme ça qu'on fera du threat modeling, du threat intel, et qu'on classifiera l'APT, hein? Donc l'expansion au niveau d'un domaine, c'est extrêmement complexe, hein? C'est une tâche très, très compliquée. Ensuite, on a l'étape 5. C'est l'exfil, qu'on appelle exfiltration. C'est la récupération des données souhaitées du réseau cible. Donc, il ne sert à rien d'accéder à un réseau si vous ne pouvez pas récupérer les données et les exfiltrer. Et c'est, dans la mesure, l'ultime succès, hein, des opérations de collecte stratégique et dirigée pour une armée, pour un service de renseignement. Même le CCNA non cinétique peut avoir des exigences, hein, d'exfiltration. Parce qu'un attaquant voudra avoir une idée, par exemple, de la quantité de dommages causés au réseau. Hein. L'accès initial et l'expansion traitent de l'établissement d'un canal de commande et de contrôle vers les bonnes parties du réseau cible. C'est un problème différent de récupérer des grandes quantités de données, vous l'avez bien compris. L'attaquant doit composer, en fait. Hein, avec, c'est un compromis, en fait, entre la quantité de données, la vitesse de récupération desdites données et la sécurité opérationnelle, l'OPSEC. Donc, plus il y a de données récupérées, ou plus elles seront transmises rapidement, plus naturellement vous risquez de vous faire griller. Ça va être visible. D'accord? Puisque, bah ouais, hein, s'il y a une machine, s'il y a un routeur, bah, qui est en train d'exfiltrer en sortie des gigas, des téraoctets de data, t'as beau chiffrer, hein, via un canal de command and control chiffré, tu t'imagines bien que même si on peut pas décrypter le trafic, on peut le quantifier. Hein, on a la volumétrie, on a les métriques. S'il y a 3 terras qui ont exfiltré d'un routeur qui appartient à l'entreprise, tu as bien compris qu'il y a un gros problème. Hein. Donc ça va mettre la puce à l'oreille. Hein. D'un point de vue de défenseur, l'exfiltration, c'est un problème aussi difficile. Je vous ai dit, on peut bien sûr exclure le volume de données, mais il est difficile, parfois, si c'est bien fait par la partie attaquante, de différencier le trafic sortant légitime du trafic malveillant soigneusement conçu. Hein, c'est pour ça qu'on va chiffrer les données, c'est pour ça qu'on va utiliser des ports en sortie qui se noient dans le bruit légitime de l'activité de l'entreprise. Hein, vous avez tout intérêt à attaquer quand tous les salariés sont là et génèrent du bruit, puisqu'ils vont avoir besoin de se connecter à Internet. Okay? Et même sur un réseau local, plus il y a de gens qui communiquent, plus il y aura de salariés, plus vous allez vous fondre dans la masse. Okay? L'erreur, c'est de se dire, je vais lancer ma cyberattaque la nuit quand il n'y a personne dans les entreprises. Mais là, s'il y a un bon système, un bon bastion, un bon cible et des bons programmes qui vont chercher les indicateurs de compromission, là, vous allez être grillé. Pourquoi? Bah, parce qu'il n'y a pas de bruit. Et tu ne peux pas te fondre dans le bruit. Donc, tu comprends bien que s'il n'y a personne à 2 h du mat dans l'entreprise, et on voit bah, des serveurs, des postes clients, des imprimantes qui commencent à faire des choses bizarres, bah, c'est qu'il y a un problème. Tu l'as bien compris. Donc, il existe tout simplement d'innombrables façons d'intégrer des données sortant d'un réseau. Hein, c'est la partie la plus dure, je vous le disais, en dehors bah, de ce quota de données qui pourrait mettre la puce à l'oreille. On peut avoir des utilisateurs qui vont envoyer des mails à des contacts extérieurs, qui utilisent un chat, qui publient sur Facebook, qui naviguent sur le web. Hein, si c'est le cas, il existe un moyen d'exfiltrer les données. Sans exfiltration, l'opération n'a aucun sens. À part les scénarios CNA non cinétiques, qui sont plus artificiels, il y aura tout le temps cette composante critique en fin de post-exploitation qui est l'exfiltration. Donc, en d'autres termes, elle est également aussi effectuée en continu. Elle peut arriver à la fin ou on peut la lancer, pardon, en amont et exfiltrer les données pendant qu'on pivote, qu'on évolue, qu'on gagne la persistance,
qu'on gagne le gain d'accès sur d'autres systèmes et qu'on fait notre phase d'expansion. D'accord? Alors encore une fois, on adapte le plan opérationnel en fonction des besoins intrinsèques de la mission et de l'architecture de notre cible, d'accord, qu'on va venir attaquer.